Michel, et puis après, Paul Fulton qui a fait tout à déplacer. C'était bien. Il y a juste une petite remarque alors, pour le chien. Celui qui a descendu le chien, c'est Guillaume, mais je pense qu'il y avait peut-être moyen de le mettre peut-être dans la veste ou de le prendre un petit peu plus là parce qu'elle ne prend pas la patte. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'imaginer des exercices d'être plus près de la réalité parce qu'évidemment il n'y a pas de feu, il n'y a pas de. C'est des exercices. Alors c'est clair qu'il faut essayer de faire le plus possible. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. Moi j'étais très content de l'engagement que vous avez porté ce soir. Je vais juste passer la parole à d'abord à Pépi pour s'il a quelque chose à dire sur le déroulement de l'intervention, s'il y avait d'autres choses prévues, parce que comme vous avez vu, on ne pouvait pas voir les deux phases d'intervention en même temps. Évidemment, c'était un de côté, alors on a fait un peu un aligné un peu. Mais ça s'est très bien passé. Je tiens à remercier l'engagement de tous les saveurs et de tous les sauveteurs. Ça s'est passé assez rapidement, heureusement. Sinon, t'arriver à venir voir. Voilà, c'était vraiment des détails, hein, mais c'est vrai que. Pascal, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, je vous apporte. C'est clair que vous ne déplacez pas des signaux prioritaires, on le sait, c'est pas autorisé, c'est un exercice, on le garde vraiment quand c'est l'intervention. Par contre, c'est vrai qu'au moment, dès que vous êtes là, ben là c'est la réalité, puisque les timings sont là, on voit que ça joue. On voit que le matériel est utilisé judicieusement, hein, que la commune a pu mettre à votre disposition. Donc, tant que ce soit ici le véhicule pionnier l'échelle et puis le tonne pompe à l'arrière, on voit que vous gagnez en efficacité, puisque tout de suite, vous pouvez mettre en action, monter avec une lance dans les étages, puis alimenter derrière. Donc, on voit que ça fonctionne bien. Merci de votre engagement, je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Voilà, ça fait 2 minutes. C'est ça qui est bien. Il y a eu bien. Qui repasse de la tête de Chantal pour madame Nicolas. Qu'est-ce qu'elle est Je suis ravi. Je tiens tout d'abord à excuser ma collègue, madame Le Candol, retenue à une séance très importante pour notre commune. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai assisté à votre exercice. Je tiens à féliciter la compagnie des sapeurs-pompiers, la compagnie des sauveteurs auxiliaires pour leur excellent travail et pour leur engagement volontaire auprès de la population de Chevron. Les autorités sont fières de vous et vous le disent. Bravo à vous. T'es filmé. Alors, la suite de la soirée. Je m'appelle Florian Batiaki. Enchanté. Roulez.
t'appelle, je demanderais peut-être juste un sauveteur. De pas trop traîner. Je t'ai attendu, c'est un 20 minutes. Voilà. Fabien, j'ai une question. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en feu jaune. Et depuis, je suis en statique.